Salut à toutes et à tous, c'est Crane. On se retrouve pour une nouvelle découverte qui m'a été suggérée, un jeu dont je n'avais jamais entendu parler, qui est en démo pour le moment, donc qui n'est pas encore sorti. C'est The High Tide Hotel, un jeu avec des vrais gens. Voilà, on va jouer des vrais gens. C'est tout ce que je sais. Ça a l'air d'avoir une ambiance un peu anglaise. Il a l'air d'y avoir un culte ou je sais pas quoi. J'imagine qu'on va être amené à faire des choix qui vont nous emmener sur une scène plutôt qu'une autre. Paraît que la démo est pas très très longue. Donc, je vous propose de lancer ça et de découvrir. Ah bah oui, mais sauf que j'ai oublié, c'est une nouvelle vidéo. Donc qui dit nouvelle vidéo, dit le petit moment où si vous le voulez bien, pour écrire un petit commentaire, dans les commentaires... pour aider au référencement de la vidéo, puis moi ça me fait vraiment très plaisir à chaque fois qu'une vidéo sort, de voir plein de gens contents qu'une vidéo sorte. J'aime bien répéter les choses que je viens de dire là aujourd'hui. Et sinon, vous avez pensé à mettre un pouce si ça vous a plu, activer la cloche pour être alerté des vidéos, et vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas, bien évidemment, ça aide aussi. Des bisous, on y va, nouvelle partie. Ambiance FMV de la vieille école, on dirait. Wales Interactive. C'est pas Netflix, c'est Interflix. Netflix, Stupéflix et Interflix. C'est bizarre, j'ai pas l'impression d'avoir lancé un jeu vidéo. Ah bah bravo! C'est moi qui joue là, hein. C'est moi bien sûr qui est en train de contrôler cette dame qui fait... Unreal Engine 8, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi tu fais ça, Cré? I'm afraid not. Non mais les vieux, tout ça, faut s'en méfier. Bollocks! Oh shit! 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 Oh, I mean, oh my dear! Oh my dear! I'll grab you this. You have my conviction. You don't know me, but I've found you. It wasn't easy, seeing how you've never met. But her words were persuasive. Once I tracked you down, I went back to her, but she was gone. All I found in the debris was an address, which I've enclosed. I'm going to make sure she's all right. If there's any part of you that cares for your daughter, you'll come too. Signed, R. Price. Private investigator. Mm-hmm. Right, well, this is it. The Isle Tide Hotel. Bon, c'est pas souvent un truc qui commence par quelqu'un qui se fait attaquer par une vieille dame. Oh, attends, c'est à moi. Vous auriez vu une fille. Bonjour, personne qui est en train de me... Est-ce que vous avez déjà vu une fille? Ça vous est déjà arrivé? Dans votre vie, là, vous auriez vu une fille? Que savez-vous sur l'hôtel? Combien je vous dois? Bon, on va dire, que savez-vous sur l'hôtel, hein? Combien je vous dois? Ouais, que savez-vous sur l'hôtel? Vous auriez vu une fille? Non. C'est quoi, pas la ref? De quoi? J'ai vu ma maman, ça m'est déjà arrivé. What can you tell me about the hotel? Oh, right, yeah, I see.
back me out with a bit of chatting and see if I spill. I said I'd keep quiet. Look, if this is some kind of test, I don't appreciate it, mate. God knows what you lot get up to in there. It's even stranger when you leave. Look, forget the fare, will you? Just get out. Bon, moi, j'ai pas besoin de le payer, c'est déjà ça. Ah, les taxis, ils sont trop beaux. Pourquoi nous, on n'a pas des taxis comme ça? Un taxi français te fait payer pour une question. Mais non. Hey. Never mind. Just, Très bien. Très belle interaction. Et pour l'instant, c'est plus un film interactif. Il y a encore un vieux, faut se méfier. Bah, sonnons la cloche, hein. Welcome back to the Isle Tide Hotel. If only for our final night. I trust you had a pleasant time, Miss Ray. My apologies. I mistook you for somebody else. Bon, ceci dit, il a le style quand même. How may I help you? Avec sa petite mèche et ses lunettes, là. On a une invitation, du coup? Oh, vas-y, j'ai une invitation. J'ai les mêmes lunettes, elles lui vont mieux qu'à moi, ça dégoûte. I have an invitation. Oh, marvelous. I trust you had a pleasant time. Of course. May I inquire which symbol can be found on the inside of the invitation? You must have seen it, no doubt. Mince, c'était quoi? Il y avait quoi à l'intérieur? Un labyrinthe? Un labyrinthe, ok. Un ours. It's a maze. Oh. A true devotee of the mystery genre we serve. Mm-hmm. It's the only genre I read. Well, no maze is here, I'm afraid. But the Isle Tide would never wish to disappoint. Dorman,
Perhaps a puzzle for our new guest. Hey! Ok. Alors, on m'avait dit que c'était un peu court. Mais je m'attendais pas à si court. Bah, c'était peut-être pas un labyrinthe. Le trailer était plus long que le jeu. Attends, on va tester d'autres choses. Parce qu'en vrai, j'ai beaucoup aimé... Alors, est-ce qu'on va pouvoir passer les scènes ? Comment on passe les scènes ? J'appuie sur... Ah, ça y est. I'm looking for a young girl. Ah non, c'est pas pris le même choix. You're not the first to ask, mind you. I had some cretin in the cab this morning asking about some girl. Donc là, on a fait le choix de la fille. Couldn't have had an invite though, because I saw him sneaking around the back. Ah mais du coup, on n'a pas vu l'invitation. Anyway, best of luck finding her. Ah, j'ai trop avancé. Mais il vient de dire que ta course, elle était payée. Arrête de vouloir le payer. Vas-y, je vais avancer. Attends, avec quoi ? Qu'est-ce que... Il n'y a plus rien qui marche là comme bouton. Non. Ah, attends. Non, c'était un hasard. Ah, sonnez la cloche. Let's go. Donc, on a une invitation ou on n'a pas d'invitation ? Du coup, c'était pas vraiment une invitation comme on avait ? On peut tenter d'être honnête et dire qu'on cherche quelqu'un. Finalement, on n'a aucune raison de ne pas dire qu'on cherche quelqu'un. On va tenter. I'm looking for someone. It's rather difficult to keep track of those frequenting the Isle Tide. May I inquire as to whom? Just someone I used to know. Should you have your eye on a particular patron, the measuring ceremony begins shortly. If I could just see your invitation. Fausse invitation. Donc si on a une fausse invitation. Je suis là en tant qu'invité. Ou est-ce qu'on doit donner la fausse invitation? Si on a une fausse invitation, c'est peut-être pour donner la fausse. Hein. On est invité. Tester. I'm here as a guest. It's very irregular, sir.
It's just that we've never had a guest here at the Altide Hotel. May I ask the name of your host here this evening? Bah, c'était un des noms qui était devant, j'imagine, qu'il faut dire. Donc on n'est pas vraiment là en tant qu'invité non plus. Il parlait de Ray, Gracie Ray. Aïe. Gracie. Gracie. Ray. Ah. Miss Ray. Yes. Miss Ray is yet to check in. But I'll be sure to let them know she invited a guest. Fine. Might I suggest searching the hotel bar? Bon, déjà, on s'est pas fait jeter. Plenty worth seeing. On a été plus loin. Red or gold? Excuse me? See? Another verse that doesn't notice them. Have you never looked up during the swell celebration? Which is why the balloon should be gold this term. But red is traditional. You've said that already. But red is... customary. Or customary to have, always have someone else take the credit. We need to try something new. What do you think, dear? On préfère le doré. If no one notices, perhaps you should try the gold. There's a girl here. Perhaps I'm no longer needed. Some old relic. I wouldn't know how to do this without you. Bon, on a foutu le bordel. Qu'est-ce qu'il y a marqué en haut? Quelqu'un peut me traduire, s'il vous plaît? Grande salle, peut-être. Parler à la femme, table, bar, s'asseoir, parler à l'homme. J'ai parlé à elle qui est devant. On est aussi paumé que le perso, complètement. I'm stuck for choice. I'm swayed towards the white lace, but I wore that last term and nothing changed. Merci beaucoup, Léanista. Oh, j'avais oublié les alertes qui s'étaient coupées. Je ne sais pas pourquoi. Il faudra que je m'en occupe. Merci. Qu'est-ce qui n'a pas changé? What didn't change? Ça va, t'es obligé de t'approcher comme ça? They failed again to nominate me. Who wore it best? Merci beaucoup, Léanista. Mais faudrait que je dise je cherchais une fille, mais moi je veux savoir le reste maintenant. Ça a l'air passionnant. It sounds exciting. Well, it's not for everybody. Any rules? You choose a mask, and then on the swell you wear something that suits. Who wore it best wins. And you want to be nominated? You're nobody if you're not admired. Vous en savez beaucoup. You seem to know a lot about what goes on here. You should be careful when choosing. How people see you is everything.
And here, you can be anybody. A chance to become those you envy, and for a tide, forget yourself entirely. People call me Dee. That's not my real name, you understand. Is it Dee? Well, hardly matters when all keys go into a bowl, am I right? I prefer to know. Learned that the hard way. I'm Josh. Beauty isn't the ambition, it's the tool. You may not be swayed by it, but many are. I didn't mean to. No faster way to see your name in lights. I came here to be somebody beautiful, somebody new. I never focused on finding the core like everybody else, and now it seems that I've lost my own. It's always hard when you lose something. A pageant, let's say, but passion is doing whatever it takes to get it back. Am I right? Bon, si tu dis je joue à la loyale, tu passes pour un gros rabat-joie. On va dire je ferai n'importe quoi, même si c'est pas vraiment vrai. I do anything. Then maybe you're the one I've been looking for. It would be terrible for me to ask someone to nominate me for the pageant. But if they did, you would help them in return? Who knows how grateful I'd be. Ah non, je pensais qu'on allait en profiter pour lui poser des questions derrière, sur sa fille. Non, à la place, on a dragué. Attends, on peut s'asseoir par terre ? Non, c'est s'asseoir derrière, il y a un banc. Il y a une table, elle est où la table ? Vas-y, on va regarder la table. Il y avait 25 minutes pour poser des questions. Oui, mais regarde, il y a eu tout un cheminement où à la fin... On est passé d'inconnu à, le contact passe, limite, elle est contente qu'on vote pour elle, tout ça. Et du coup, bah, maintenant, c'était le moment de lui demander un service. Note 1, qu'est-ce qu'il y a ? Où est la room 14 ? Where is room 14 ? Maintenant, elle n'a plus le temps, bah ouais. C'était facile, hein, quand c'était pour elle, elle avait le temps. Hein. Join me for the changing of the tide. Seeking person with an open mind to peel back the layers and find the core. Room 7, 8 p.m. Rosie. Le 3... To all who think the core is sex, all genders welcome. Room 18. Ok. Ah, il y a une note 4, je l'ai pas vu. For lovers of literacy and language, I, Jordan Hemlock, am starting a petition to change the terminology of the etiquettes. Ergo, come find me and sign. Partir. Parlons à l'homme. I was wondering. I've tried to warn him. They can't be changed or cheated. Receptionist reminds us all with a single look. Except that man at the bar, it seems.
I didn't stick around to find out why this time. I best go find her. Mais regardez, verrouille, y a pas une porte fermée? She'll be looking for me. My wife. Moi, j'adore les expressions du héros. Alors, one will attend the... Vas-y, la traduction. La traduction. Je veux pas tout traduire. One will attend the tide. Correct action is added in attendance to the tide held between a term of every 3 years for 3 nights that shall never be prolonged or extended with a reminder of das nichts. One will choose a suit. Correct effort shall be made on the tie to select a new suit. After the fitting, the suit shall be chosen on swell night and worn for the coming term, thus halting of Gewaffenheit. Très bien. Vous ferez un résumé après. One will honor swell night. Correct concentration is cardinal during the measure. Fitting and swell night ceremony, thereby halting all communication with the outside world, thus banishment of Das Gered. C'est les règles de l'étiquette, je crois, mais c'est chelou. Oui. One will be as one. Correct mindfulness of our elect is to be upheld at all times. Elect are encouraged to confess the sin of their term and shall be forgiven a trade unless the breaking an etiquette. Ok. Il n'y avait pas de mot allemand à la fin, là. One will be unburdened. Correct intention is attained when distraction and desire are abolished. Allowing for mindfulness across the term, all elect shall assist this purge by means of fulfillment on the tide. One win all tongue. Correct speech will ensure the tide is kept secret and limit distraction from our mission. The grand elect will select those best suited to the cause by way of invitation. One will practice proper decorum. Correct livelihoods are encouraged between the tides to protect the suit. Each shall be returned as gifted, never committing the suit to compromise, constraint, or condition issues within the term. One will seek correct view of the elect and its mission shall be at the forefront of the tide. Distraction made by suits are to be renounced after purging distraction and desires, thus seeking the crow. All will follow the etiquettes. Do as you're fucking told. Ah bah voilà, voilà. Bref, donc, The Tide, ce serait un event qui durerait 3 nuits tous les 3 ans. Mais le truc, c'est One will choose a suit, donc une tenue, mais il y a aussi une majuscule, et après, il parle de The Suit comme quelque chose d'autre. Comme si c'était un groupe de gens plus que ça. C'est hyper bizarre. Puis il y a des mots allemands en plus que je comprends pas. Ils doivent confesser leur péché, je sais pas quoi. Pas parler au monde extérieur, je sais pas quoi. Puis il y a une mission, il y a une cause de je sais pas quoi. C'est chelou. C'est peut-être un rôle comme un masque, ouais. Ouais. Ça nous avance pas beaucoup. La purge par l'accomplissement. Ça sent le cryptique, la société secrète au rite atroce se cachant derrière des apparences de haute société mondaine mais fortement codifiée. Ouais, ça a l'air pas mal ça comme... Alors soit on peut aller dans la grande salle, soit on peut aller au bar. Moi je propose d'aller au bar parce qu'après tout ça on va aller boire un coup, ça me paraît bien. Moi après ça, après je m'assois par terre, j'avoue. Tu m'accalanes là. You realize Dr. Aniston could be anybody. I wonder if he's here. I've got no closer to finding the core this tide. Waste of a suit.
Moi, je pense que c'est un bon moment pour aller au bar. Je pense que boire quelque chose, là, ça devient important, là. Le noyau pourrait être la personnalité originelle, mais il y avait un mot qui parlait que c'était du sexe ou je sais pas quoi. Jordan Hemlock. I'm not surprised you've heard. They chatter in their boxes. You see, I've spent more time alone this term and began to ponder the word term. Horrid sounding. Ergo, I've created a petition for the grand elect to change the terminology. What do you think of the word span? Ces gens qui forcent pas du tout la main. Pourquoi changer un unique mot? Why change one word? One word? You ignorant. One word would be the catalyst to show their failure at even the most basic. And without the use of the established terminology, how are we, the verse, supposed to identify with you, the elect? Perhaps a change of leadership is warranted. So changing a word would prove they're not always right. One word may seem insignificant. But what about one person? They put us through all these etiquettes. But what of the individual? Hmm? What if it was you? Or your daughter? Or wife? Would you still follow all the etiquettes then? Or would you disobey their orders? Moi, à la base, je voulais juste boire un verre au bar. Hein. Alors, les règles sont là pour une raison où on peut briser les règles. Je pense qu'on peut briser les règles, hein, parce que voilà. Rules can be broken. Oh, if only. Unless, like the democracy of America, you scratch my back, and then you can demand a favor later. Right. I mean... And I would guarantee it. Anything you want. Good afternoon, sweetie. Tonight's measuring is underway, so if you could adorn your robes, masks, and follow me speedily, the grand elect await. Il a l'air bien cet hôtel. Je sais où je veux vouloir aller en vacances. Bon, bah très bien. Très bien, très bien. Je ne sais pas si on pourrait encore en voir plus, mais cette fois-ci, on n'a pas perdu, donc logiquement... On va dire qu'on est un peu au bout. Alors, c'était en effet très court. C'était déjà très court la première fois. Mais là, c'est très court aussi. Bah, je ne sais pas quoi en penser. Sincèrement, je ne sais pas quoi en penser. C'était pas désagréable à regarder. Il y a une ambiance, clairement, qui est là. C'est sympa de voir un peu de style de jeu FMV, tout ça. Je ne sais pas quoi en penser. Il y a un très bon FMV à découvrir, Late Shift. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait. C'est Maudit qui l'avait fait, je crois. Oh, je sais plus. C'était plus honnête comme durée, c'est ça. C'est ça. Ouais, bah, je... Voilà, c'est un jeu que je vous présente. Et vous faites votre propre idée. J'avoue que tu mets ça sur la télé, t'es avachi sur ton canapé, t'as ta manette, et tu regardes un film où tu choisis un petit peu ce qui se passe... C'était plutôt bien joué. Il y a une ambiance particulière. Ça va quand même méga vite parce que... Merci beaucoup Nuage, merci pour les 4 mois. Ça va méga vite parce qu'on a déjà... on vient à peine d'arriver, qu'on a déjà tout le truc de enfiler vos robes, la cérémonie et ci et ça.
Donc ça doit être assez anecdotique en fait, parce que vu qu'on est déjà plongé dedans direct, alors qu'on vient juste de commencer, à moins que le jeu fasse 2 heures, même pas. Ouais, non, je sais pas. Merci Croc Rouge pour les 14 mois. Ouais, c'est le genre de truc où, bah voilà, je vous ai dit que ça existe. Je serais content qu'il y ait des gens qui le fassent au moment de sa sortie et qui me disent si ça vaut le coup ou pas. Et puis voilà. Au final, j'ai tout regardé. Ah là là ! Ah là là ! Voilà, il y a quelqu'un qui avait dit « Oh, c'est pas mon style, je m'en vais », il a tout regardé. Bah voilà, voilà. Bah, c'est intéressant de découvrir des choses différentes dans le jeu vidéo aussi. Juste, je sais pas quoi en penser. Donc, bah, je vais vous laisser vous faire votre propre opinion, vous me direz dans les commentaires. Et puis voilà, au moins c'était original. Allez, des bisous les gloulous. Ciao, ciao tout le monde.